Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters. Regardez, je vous ai trouvé un château. Hein ? Vous aimez bien, vous, ça, les châteaux, les métalleux. Et en plus, ça va très bien parce que ça s'accorde à l'IP dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, il manque la neige, c'est vrai. Il a fallu y avoir de la neige. Hein. Il y a deux semaines, c'est tout enneigé ici. Aujourd'hui, un IP, donc le premier IP sur Metal Hunters, il me semble, c'est Piercing Through the Frozen Eternity, The Moonlight Sorcery. Que j'ai découvert grâce à Maxwell Dragon, trébuché, puisqu'il en parle dans son top album 2022. Alors il est vrai que cette année, ben, j'ai vraiment pris des albums dans tous les tops 2022 que j'ai regardés, hein, ou qu'on m'a donné. Chez Forgotten Wisdom, par exemple, j'ai pris Somnia, chez Breathe Them All, c'est Megadeth, chez Melomix, c'est Temple of Void qui me tente plutôt bien, chez Mathieu des Chroniques de l'Underground, Bloody Wood a l'air sympa, mais surtout Sylvain. Qui d'autre? Ben Enyok, bien sûr, le roi des raies, hein, ce brave homme. Eh ben lui, carrément, Sorry, il hein, faut dire, vu comme il me l'a vendu, Sorry, c'est un mix entre Silencer et Laugh Lover. Alors c'est sûr que j'allais sauter dessus. Et puis chez Sacrifice, que des trucs de chez Transcendence Records, quasiment, puisque il y a l'excellent Vertige au solitaire que verrait fini dans mon top 10 si je l'avais écouté avant. Hordus également, l'album d'Hordus qui est très bon, et aussi, bon là c'est plus chez Drakkar Productions, Sternatis, et enfin ben, chez Maxwell Dragon et Q, ben, Heavy Metal Q, Blood of North, que j'ai pas spécialement aimé, hein. Et puis ceci, voilà, l'IP de Moonlight Sorcery, donc Piercing Through the Frozen Eternity, je me souviens jamais du nom, c'est pour ça que je dois le relire tout le temps, sorti en 2022, donc chez Avant-Garde Record, Avant-Garde Music, pardon. Ça fait un petit moment que j'ai pas... J'ai pas eu des trucs de chez Avant-Garde, c'est pas mal. Regardez, aujourd'hui je bois du jus d'orange, parce que, bon ça c'est le château de Puyvert, encore vous demanderiez, et qu'est-ce qu'il y a à Puyvert? Il y a la brasserie du Kerkorb, avec toutes leurs bonnes bières, et je peux vous dire que hier soir, finir comme un chicanier moi, cirrhose à 42 ans. Donc nous avons ici la première sortie de ce groupe finlandais qui existe depuis 2017. Donc il faut savoir que cet IP, il l'avait d'abord sorti en digital. Et puis Avant-Garde Music, elle est tombée dessus. Et ils se sont dit, les mecs, ben, on va le sortir en CD parce que c'est vraiment très bon. Ils ont bien fait. Alors déjà, la pochette dans la digne lignée ben, d'Emperor, Dissection, Sacramentum, Sulcandra, et tous ces groupes de ce style. Très belle. Et comme Maxwell Dragon Trébuchet l'avait sagement fait remarquer, on a ici tous les éléments qu'on trouve dans ce genre de pochette. Donc la neige, la nuit, la pleine lune. Les montagnes, les sapins, le château lointain. Il y a même ce petit pont dégueulasse là qui manque de s'écrouler et que personne ne traverserait à part un indien. Parce qu'un indien, il en a rien à foutre de crever. S'il crève, il va se réincarner ben, en arbre, en sanglier, en roue de tracteur. Il s'en fout. Moi, si je crève, je finis là-haut devant le paradis. Saint-Pierre va arriver. Alors Achille, t'en as fait de la merde quand même. Et puis, autant vous dire que si là-haut ils sont fans de Metallica, c'est baisé, hein, franchement. Donc nous avons là du black metal symphonique, respectant les codes, même si parfois ça va un petit peu plus loin, comme on le verra. Alors déjà, on a tous ces claviers un peu cheap, hein, typés années 90, parfois féeriques, parfois scintillants, comme pour la première vraie chanson, For the Light is Ice. Les titres auront parfois des rythmes assez véloces, des souffles épiques, par moments des auras un peu mystérieuses, hein, s'émanant de quelques sombres tours. Et dans un même titre, on a parfois ben, plusieurs passages assez différents. On va sauter d'une mélodie à une autre, d'une ambiance à une autre. Certains pourraient noter un certain manque de cohérence, même si je pense que c'est assez propre au style finalement.
La voix est bien black, pas du tout mise en avant, on a l'impression qu'elle vient de loin, hein. C'est une sorte d'écho par moment, à moitié perdu dans un blizzard, et bien sûr ben, la production appuie cet aspect-là. Ouais, production un peu trouble, qui a son charme, et il y a, quand je disais que ça allait parfois au-delà du strict black metal symphonique, on a un aspect heavy metal dans les guitares. Et oui, alors est-ce que c'est le côté finlandais qui apporte cet aspect-là dans certaines chroniques, les gens disent qu'il y a certains passages qui iraient bien à son Antarctica. C'est vrai, ça peut, ça saute pas directement aux oreilles, parce que voilà, il y a cette production qui ne rend pas les passages assez clairs qu'on pourrait le trouver dans son Antarctica. Mais ça se tient, c'est valide. Allez. Alors le premier titre qui m'a marqué, c'est Wolfenhauer. C'est vrai que ça démarre, c'est assez surprenant, hein, avec ses guitares un peu trashouilles, hein, on sait plus trop où on est, est-ce que c'est toujours Midnight Sorcery, est-ce que c'est une démo de Destroyer 626, on ne sait pas. Bien sûr, le côté black symphonique va vite arriver, avec ce rythme assez rapide, ce chant black, ces claviers. Vient une belle mélodie, un bon break, et là ça part dans un passage qu'on aurait clairement mis dans un vieux cradle genre en QLT and the Beast. Le blast à la batterie, le son crassou, la mélodie à la guitare et ses ambiances vampiriques. Alors moi je dis ambiance vampirique parce que bien sûr ça me fait penser à Cradle of Filth. Lorsqu'on écoute cet album, les ambiances qu'on a c'est tout ce qui se rapproche de cette pochette. Hein, les nuits calmes avec une lune qui nous éclaire, les forêts enneigées avec la cime des arbres qui se balancent au vent, des châteaux mystérieux. Voilà. Et ensuite, on aura le passage qui voit cet aspect heavy le plus prononcé. On a un solo qui est fougueux, qui est d'une autre énergie. C'est plus du tout du black metal symphonique, je trouve. Voilà, c'est plus du heavy, voire peut-être du power. La première fois que j'ai écouté ça, ça m'a fait penser au genre de, de guitare, de solo qu'on pourrait avoir dans une intro d'anime ou de manga sur des bagnoles, comme si Ridge Racer avait été adapté à un anime avec Olivier Tom et tout. Alors, on ne sait pas si les types, ils ont chopé un japonais qui passait par là, un manga. Ils ont dit, allez, vas-y, Tanaka-san, là, tu nous fais un bon solo. Nous, on aimait bien jouer à Ridge Racer sur une Sega Saturn. Alors, vas-y, tu y vas, là. Et puis ensuite, on a l'impression que le morceau finit, puisque tous les instruments se taisent. Sauf que ça repart avec quelque chose de complètement différent. Toujours dans le black metal symphonique, c'est comme si les mecs étaient en studio et qu'ils disaient, allez, c'est bon, la chanson, elle fait 6 minutes, ça suffit, on a fini l'IP, on se casse. Et qu'il y avait un des membres du groupe qui arrivait en disant, non, mais attendez, les mecs, vous essayez pas de m'enculer encore une fois. Hein. Ça fait toute la semaine, je vous dis que j'ai ce morceau-là, que je veux le mettre sur l'IP, on l'a pas encore utilisé. Alors, vous commencez à me faire chier, moi, je me casse. Non, mais t'inquiète, on va le mettre après, là, directement, c'est bon, on s'en fout. Et c'est là, peut-être, qu'on a le manque de coréen, de. Alors c'est sûr qu'on a, on a clairement un manque de coréen hein, sur cet album, mais un manque de cohérence, aïe aïe aïe, l'alcool, un manque de cohérence qui a été quelquefois un petit peu reproché par certaines personnes, certaines chroniques, mais bon, moi, ça me va, je trouve que toutes les parties sont plaisantes à écouter, ça ne m'affecte pas. Voilà, c'est tout pour moi et c'est tout pour cet hippie. Alors Midnight Sorcery a sorti un autre hippie en début d'année. La première fois que je l'ai écouté, je l'ai trouvé beaucoup plus brut, avec un côté black metal beaucoup plus prononcé. Mais maintenant, plus je le réécoute, plus je trouve que il suit plutôt pas mal celui-ci. Alors je pense toujours que le côté black metal est plus prononcé sur le dernier hippie. Mais bon voilà, il y a toujours le même style de black metal symphonique avec cette voix un peu au loin, il y a toujours cet aspect heavy metal dans certaines parties de guitare, même si je pense qu'il est, moins présent sur le second hippie. Et c'est un truc qui s'écoute sans de problème. Voilà, et si vous allez rendre visite à Sacrifice au Japon et que vous passez dans un disquaire metal, peut-être que
vous aurez la possibilité de trouver la version qui comporte les deux hippies en même temps. Voilà, ça fait un album, c'est sympa. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit bijou de black metal symphonique. Je me suis bien ressourcé pour pouvoir rentrer chez moi et puis faire un bon café. Hein, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bien sûr, stay metal! Bon, il me reste plus trop de jus d'orange, le peu que j'ai, je le mets sur mes chaussures. Eh bien, ma foi. Bon, allez, je me suis bien ressourcé, je rentre à la maison. Qui c'est qui m'emmerde encore? Jay White a perdu son masque contre l'autre alcoolique et il quitte la New Japan. Super! Je crois que je vais rester un peu exilé, je pense. Thank you.